Honorable, bonjour. Bonjour, docteur Raymond. Honorable, ndifia kukuyua, wewe ulikuwa mu procès ya prophète Jérémie Doxa. Procès ilianza mardi 6 décembre 2022. Procès ilikuwa je, tout ça, tunapenda kujua ku briefing bibi kwa mu procès. Bya kweli mimi nilikuwa mu procès. Le juge, comme d'habitude, il a commencé, il a demandé au greffier d'identifier d'abord Banane, le défunt, en s'appuyant sur l'acte de décès. C'est là où nous avons trouvé que le prophète est d'origine sankouroise, sa maman est katangaise. C'est-à-dire ni wa Musankuru. Oui, le prophète Nomsankourou, c'est un tétéla. OK. Voilà, c'est un tétéla. Le papa du prophète est tétéla et sa maman est katangaise. Là, c'est sur l'identité du défunt, le prophète Doxa. OK, c'est-à-dire ce n'est pas un Katangé comme on le prétend. Il est Katangé côté mère, mais comme nous le savons, le régime patriarcat, donc ça est Moutetela, donc le de l'espace Grand Kassai. Ok, procès Kouyadje, quoi, Bilpitikanadje. Ah, c'était bien, nous avons aimé parce que le juge, nous l'avons trouvé que le juge n'a pas de virus. C'est pour dire que le juge, vraiment, il est réellement au milieu du village. Il fait vraiment bien son travail. On a aussi identifié le présumé coupable que la police a eu à présenter. Mounaïssa télévision, Biana 5, soi-disant que Nibonjo, Baroua, Nani, le prophète. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, Kuko parmi ba motard, kuko moya loake ni huyu motard huyu wa kujisha bya kuria, wa mapiza si c'est la maison Rani. Alikuwa laike mukursu enda kujisha bya kuria bya ye kupeleka bya kuria. Police na mbamba, chose grave, la police est vraiment méchante. Le policier là mana basula na kupasula kile kikesi kyake kya bya kuria. Bana mbeba ku nguvu bana muweka. Et nous avons découvert que modiance mule Barimba ba motar ba mingi. Et bale ba motar, kuruka bale bananza kuleta ma 300 000, ma 200 000, ma 100 000 pour que babache. Bale ba tu présenter, ni bale ba kwenda makuta. C'est-à-dire, mie ndisomaka quelque part à ce moment, baribambaka 23 motards, bana libéré 17 motards, bana tchako 5 motards, bar libéré ba motards, bala bakwe na problème. Kumbi bar libéré ba motards, bala bar letra makuta. Bale barleta makuta 200 000, 300 000, njo bale motard baranza kulibere. On a posé question kwa ule policier. On a reconnaître que muranza kubeba ma 300 000 anechika dans l'audience la anechika. Donc bale bar tu présenter ni bale bakwe na makuta. Qui sait que parmi bale barleta makuta njo kwa pengine le vrai coupable? Je ne suis même pas là parce qu'au fur et à mesure l'audience iranza kuendelea. Nous avons compris qu'il y a un taba motard barimuwa. Il y a un monsieur là qui tengue, c'est un motard. Qui tengue, en alomba mbele à sa nom mouni protégé. En alomba koukounani kou bureau. Ni wa province kan. Qui tengue, c'est un moulouba. C'est vraiment un moulouba. Je ne sais pas, mais c'est un moulouba. C'est un moulouba. Moulouba di Katanga. Oui, moulouba du Katanga. Et Moussa, le moulouba, honorable député nationaux. Ah bon, bah honorable barquoi na kuya. Oui, les députés nationaux, ils étaient là. Les Njoko. Nanou Memba, l'homme de commune annexe à l'époque, là, c'est qui encore son nom? C'est-à-dire celui qui fit bourgmestre, Bourgmestre, oui. ex-bourgmestre wa commune annexe. Annexe, son nom. Anatoa Kinshasa, Njoko a assisté au Oui, procès. Eliezer Ntambo était là. Donc, il y avait quand même des députés provinciaux ainsi que nationaux. Encore bien, on a fait un procès. Est-ce que ça a couru à 3 députés provinciaux Oui. et puis 2 députés nationaux? Oui. Déjà, pas le tout. Dans la lettre d'identité, il y a Doxa qui est Anakatangé.
déjà on a senti que uyu wa kipushi aneka telefone kurishikio anafasa kutoka uyu wa nani c'est qui son nom wa zamani wa nani wa Kominanex ok jina ke mina sabule olo depute ok tuendele c'est comme ça le monsieur là qui tengue le motard anasema boto mna bamba ba ne ba innocent aboto mna bamba ne ba innocent il a commencé à décrire pourquoi le barumba ba lake mo station kone ka carburant bana bamba bangine ba kola bo na pita mbalabala bana bamba une mwingine lake alikuwa ni kujisha mapiza kama ni marani bana bamba byakuria alors ou leur quoi le vrai motard mou le problème c'est Kitengela et Kitengela jurait de dire rien que la vérité est la vérité mais là sollicité qui va me protéger alors Kitengela c'est ma konini quelle est la vérité Kitengela dit Kitengela ndio na fungu la matière Kitengela sema kuku mama moya anambebeaka batoto ku masomo anamtumaka tumaka ma course ngine ngine ya ntanke motard sare motard wake de confiance motard de confiance ok jole mamari muita na mutoshea doxa anasaa mubebe wende kamwache pa la police njo huyu analaka ni mnyanganya ma moto voilà comment on a présenté l'homme c'est à dire ole mama anamuita motard Kitenge asema mubebe huyu motard mubebe huyu njo mwimvi anaamibaka ma moto umupeleke pa la police alors asema mala doxa alikuwa ligote alikuwa ni no doxa deja eko ligote yasha kuchoka basha pika basha pika okay jole mama na mwita jole mama na sadira aina ba motard ba mupika no loin de motard parce qu'on a même pas vu les images ma image bartonesha ba motard be una pika tukoni ile ma image sadira ni ule mama na mwita nani doxa eh na mwita nani Kitenge asema kwa beba mwivi ba mwivi na bimaka ba motard umpeleke kwa la police voilà donc jo témoignage ya Kitenge ile témoignage Kitenge okay nafika naye kwa la police la police chef de poste anaita colonel directement le colonel anasema miko na kui bar muita 13h colonel ko fika 15h pala nafika asema oh non chef de poste il faut prendre tes dispositions tes responsabilités anapanda motoka lo kana toka fani anenda donc ça anabaki a pale. C'est comme ça on a convaincu et ben on a convaincre Kitenge akusema wende naye ko hôpital. Njo pale na lenda naye ko hôpital afika ko hôpital pale anafanya nini? Anamwacha nje. Pale anamwacha nje anatoka. Anaenda. Bien sûr pacha rapport kwa ole mama esa nono tunamwacha po hôpital hivi hivi. Sadire pale anafika naye ku la police anakatala kumurecevoir. Anaenda anamwacha ko hôpital. Anamwacha inje ya hospitalo. Inje ya hospitalo. Alors pana mwacha inje ya hospitalo, njoo sasa anarudia kupeleka rapport kwa ule mama. Anarudia kupeleka rapport kwa ule mama. Okay. Ule mama mbisa pana wendo mbebo mungiche tu bamutunze. Pale doksa narudia pale njoo anakuta peko ba mama ba moyo fi parmi bale ba mama peko bibi yake ya doksa. C'est-à-dire pale Kitenga naluria. Pale ule mama anamwambia sima nono wewe mubebe unani ulurie umubebe bebo mungishe ndani umungishe ndani ya hospital sasa pala naluria njoo anakuta bibi yake doxa akuta deja bibi yake doxa pale deja. Na mamao mwingine mamao mwingine me bana sema doxa yuko na bibi yake yuko Kinshasa ayo na bibi mwa Kinshasa yuko na mwingine huko okay prophet alikuwa na babii ba deux bon baba prophet wa Nikalaka pengine ni ule ni femme de ministère atujo okay sasa pala na bakuta na bale banamke ba deux le muna deja doxa chakufu okay njo ana ma photo quoi njo anabeba baingishe bende bakampeleke ku morgue barenda ku morgue kuli fale pe kumufika ko mangua non barenda quand même na ko hopitalo parce que j'ai appris que pale banafika parmi selon ba inspecteur ya santé banafika ule médecin na mu examiner na sema déjà mort voilà
on a constaté mort parce que même les médecins là ben à moins faire ben à moins inquiéter ce matin maintenant on fiche ikoapi arandika wapi tout ça il y a des choses comme ça toi qu'est-ce que tu as fait bon c'est-à-dire les médecins constatent réellement la mort il y a donc ça Dieu ça ça banenda na ça kunani ku morgue asende voilà Fika kumorga sende kule fale kumuvika konini ya de foto pale nani kitengie kuna mo kuna msaidia biweke doksa purke ba oui parce que ça ku sendwe kama munafika ma system ni munanausha mai mtu anakuwa propre voilà njo pale ule kitengie anabasaidia biweke doksa bana munausha mai bana bamba na mafoto tu sa foto bana vika mancho yake ilikuwa ya kutobola no mujima bana mwacha kule ko kusende Sasa hii mimi nasema wao manchu toboka tu sabir kwaje. Ndio pale panakuwa problem parce que d'abord déplacement ya corps. Corps inatoka ku sendwe inaenda kujiretrouver ku Dombosco. Okay, banatosha morgue ku sendwe apeleka ku nani morgue ya Dombosco. Nani alipeleka hiyo? Ah, c'est là où Bojans Mulo na posé la question nani alipeleka. C'est là où kwa avocat moya. L'avocat, soi-disant avocat ou assemblée provinciale. Ok. Tu arrives na kutosha le corps ku sendwe anepeleka ku Don Bosco. Anenda upeleka ile sa corps ilikuwa na mancho biote bien na mafoto kwako mais pale inafika ku Don Bosco inakuwa mancho sha kutoboka. Et puis basha kuchoma corps. Je vais turishikia. Oui. C'est-à-dire c'est cet avocat là de soi-disant de l'assemblée. Ouais, c'est celui-là qui doit aussi expliquer, éclairer un peu la cour pour qu'on sache un peu Mathieu Ritoboka Dje, est-ce que pas l'arrivée va corps concerné, non, il y a un motorisé qui avait corps concerné pour qu'il soit déplacé parce que le dossier, pourquoi déjà Makelele, maintenant il est quoi fixé pour justice, mais qu'on a quoi déjà un mouvement à corps. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est à ce niveau-là, on a demandé aussi quoi Kitenge. À pointer où le colonel ou l'article à 15h, est-ce qu'on est au Mouyoua? On a fait ma ouïe, on a gardé mon salle, on a pointé le colonel. Sérieux, le colonel ou le baranza kuchunga, pale banaleta, doxa pale, ou la police? Oui. Doxa ligoté, voilà. Colonel anafika, on a mambia, de poste à se mafanya kajiako. Voilà. Jo, qui t'en gardé mon pointé. Voilà, on a pointé le colonel. Maintenant, c'est là où. Balamuliza kitenge, est-ce que ile nyumba unaijua ya ule mama, sami na yoye ile nyumba mama, ule mama na locataire, ni nyumba yake, eko na ba police beko na mchunga kule ku nyumba. C'est comme ça le juge, le président, wa cour, ana levé séance, audience, anasema ana repousser pour le 9. Donc le 9, ndio kutoka mena. En tout cas, pièce contre pièce. En tout cas, honorable, merci beaucoup. Oui. Merci vraiment pour l'éclaircissement. Dipenda, vraiment, bantu bayou. Et ça, vous avez vu que audience mole. Vraiment, mon avez éclaircir bintu ya mingi. Merci beaucoup. Audience, tout en zapa, vous avez ma briefing. Mouyoué, parce que imam bwena leta makelele sana sana. Il faut mon ayoua balé abana na chance à kwenda audience. Be on a fait ta ma audio. Be on a youa, mambo ile on a pitikana. Na vile audience itaisha, mouye vérité iko wapi? Oh, ouais. Merci beaucoup.